Bienvenue dans ce nouveau tutoriel entretien de freestyle à suivre avec moi au skatepark. Donc aujourd'hui on va voir comment bien débuter entretien de freestyle au skatepark. Donc on va partir sur 3 étapes. Donc quelles sont les règles du skatepark, quelles sont les meilleures trottinettes pour commencer et quelles sont les bases à avoir avant de commencer à attaquer des vrais tricks comme le tail whip ou le bar spin. Donc ce tutoriel est le premier de mon programme gratuit comment apprendre la trottinette freestyle disponible sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésite pas à revenir en arrière sur la vidéo si tu n'as pas compris certaines étapes. Du coup bah c'est parti. Donc avant de commencer la pratique de la trotte, c'est super important dans un skatepark de suivre certaines règles. Donc ces règles elles sont importantes pour vous mais surtout pour la sécurité des autres. Donc il faut faire attention où on va, il faut respecter tout le monde dans le skatepark, il faut respecter son matériel parce que bah, vos parents quand ils vous achètent une routine freestyle c'est pas pour la jeter, il faut respecter son matériel, c'est hyper important. Et surtout une règle hyper importante c'est mettez un casque et des joulières. Si vous pouvez pas les joulières mettez au moins un casque, c'est hyper important, ça peut vous sauver la vie plein de fois. On sait jamais, même pour les débutants et pour les intermédiaires, tout le monde. C'est hyper important si vous prenez une mauvaise chute, ça peut arriver en descendant une courbe par exemple, on sait pas. Si vous avez le cas, ça peut vous sauver la vie bêtement par exemple. Il faut éviter de snaker dans le skatepark, donc il y a chacun son tour en fait de passer. Quand il y a quelqu'un qui va passer là-bas, faut bien regarder, faut pas passer à travers les lignes. Donc vous l'avez bien compris, le skatepark c'est pas une aire de jeu. Quand vous allez au skatepark, c'est pour progresser dans votre sport, c'est avant tout pour faire du sport. C'est pour ça qu'il faut respecter toutes ces règles, c'est hyper important. Alors pour commencer la trottinette freestyle, il vous faut une trottinette adaptée au sport. Donc je vous conseille par exemple la trottinette de Soul de Street qui est la sortie, qui est super bien, super légère. Il y a les Fusion, la Fusion 250 pour les plus petits, la Fusion 350 pour les plus grands. La Lucky Prospect, la Lucky Crew. C'est trois types de trottinettes, je vous les mets juste à l'écran. Donc la Lucky Prospect, la Fusion 250 ou la trottinette S2S sont parfaites et adaptées pour la pratique de la trottinette freestyle. Alors la première étape, ça va être de choisir votre sens. Donc si vous êtes goofy, donc les pieds vers la gauche, ou régular, les pieds vers la droite. Alors maintenant, on va voir les bases. Donc les bases à avoir avant de commencer le tail whip, le bar spin. C'est important de travailler sur sa trotte avant de commencer les vrais tricks. Donc on va voir ça tout de suite. Donc on va commencer par descendre un plan incliné. Moi je trouve que c'est la première étape, une super étape pour commencer et pour bien vous initier au sport. Et donc pour la descente d'un plan incliné, ça va être très simple. Et pour commencer, je vous conseille de faire un pied, c'est-à-dire comme ça. Et après tout bêtement, vous allez mettre vos deux pieds sur la trottinette et essayer de garder dessus et normalement ça devrait bien se passer. Ok, donc maintenant on va voir comment sauter sur un plank et en flat. Donc il y a plusieurs techniques. Donc la première technique c'est vous sautez avec les deux roues en même temps, donc comme ça. Et la deuxième technique c'est le bunny up. Donc vous sautez avec la roue arrière en premier, vous mettez en arrière, vous allez sauter avec la roue arrière et vous atterrissez comme ça. Et vous allez, ça va vous permettre d'aller plus haut que sur du saut normal et ça va vous permettre de faire des tricks après. Alors maintenant on passe pour la descente de la courbe, donc un des premiers pas qui fait peur au début. Donc, premièrement je vous conseille de descendre à un pied et c'est hyper important d'être bien en avant sur la trottinette freestyle, il ne faut pas être en arrière, il faut vraiment être en avant ou dessus bien posé. Et maintenant vous mettez le deuxième pied, c'est comme avec le premier pied, vous gardez, vous mettez bien avant et vous tenez la trottinette freestyle et normalement ça devrait bien se passer. Ok, donc maintenant on va voir le 180 en courbe, donc pour ceux qui sont régulars, qui ont les pieds comme ça, vous tournez vers la droite. Et pour ceux qui sont goofy, qui ont les pieds vers la gauche, vous tournez vers la gauche. Donc pour le 180 courbe, c'est juste un saut avec les deux roues. Vous allez fléchir les genoux et pivoter les épaules le moment où vous sautez. Donc comme ça. Et vous allez le faire sur la courbe, c'est pareil. Ça fait un peu plus peur au début, mais après, je suis sûr que vous allez vous y habituer. Donc le but, ça va être de le faire de plus en plus haut pour que vous soyez le plus à l'aise. Et puis après, vous pouvez mettre des tricks dessus. Ok, et maintenant on va voir comment sauter sur la box et essayer de faire des petits tricks de base que vous pouvez apprendre facilement. Donc pour prendre la box, il faut généralement aller plus vite que sur les plans inclinés, donc vous poussez avec votre pied que vous préférez. Vous allez fléchir vos genoux et donner une impulsion pour permettre le saut d'être possible sur la box. Alors je t'invite à passer au tuto suivant si tu as bien maîtrisé toutes les étapes de ce tutoriel. Si malheureusement tu n'as pas encore réussi à faire tout, je t'invite à re-regarder la vidéo jusqu'à ce que tu mettes tout parfaitement. Sur ce, c'était Camille Scooters, à la prochaine vidéo, ciao.